Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude d'École du sabbat en période de confinement. C'est notre quatrième leçon, Bible et tradition. J'espère que vous avez tous passé une très belle semaine. J'aimerais d'une manière toute particulière remercier Gabriel Monet et Nicolas Porchet d'avoir accepté l'invitation pour être dans ce panel. Et j'aimerais leur demander de se présenter brièvement, même si peut-être l'ensemble des personnes les connaissent déjà. Peut-être Gabriel, Nicolas. Voilà, bonjour Dominique, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue. Je suis Gabriel Monet, je suis pasteur. J'ai été pasteur dans le nord de la France, en région parisienne, responsable de la jeunesse, planteur d'église. Et depuis maintenant une douzaine d'années, je suis enseignant en théologie, en l'occurrence en théologie pratique, à la faculté adventiste de théologie de Collonges, sous Salève, voilà, dont je suis actuellement depuis 3 ans le doyen. Merci beaucoup, Gabriel. Nicolas. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toi, Dominique, et à Gabriel. Moi, je suis un membre de l'église d'Yverdon, membre laïque. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'administration, en administrant différentes institutions adventistes, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en Suisse. Et puis maintenant, je me retrouve à la tête d'une entreprise et je travaille comme le dit Facebook, à mon compte, dans ma vie professionnelle. Merci beaucoup pour les présentations. Je vous invite à commencer notre leçon par une prière. Notre Dieu, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous permets de réaliser ce live internet pour l'École du sabbat. J'aimerais te remercier d'une manière toute particulière de la présence de Gabriel Monet, mais aussi de Nicolas Porchet. Merci pour ce temps que nous voulons vivre ensemble. J'aimerais te remettre tous les auditeurs qui vont nous suivre. Et j'aimerais te prier pour les différentes églises que nous représentons de près ou de loin. Te demander que chaque jour nous puissions nous laisser guider et transformer par la puissance de ton amour. Merci pour cette belle institution qu'est l'École du sabbat. Que à travers cette étude, nous puissions encore faire un pas de plus en ta direction et que nous puissions encore avancer dans notre foi spirituelle en toi. Au nom de Jésus, amen. 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 Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, vous allez, grâce à Rickson Nombrek, que je remercie aussi, qui est à la technique, présenter deux courtes vidéos. Une première, vous avez l'habitude depuis 2 fois maintenant de découvrir Bernard Sauvagna, qui dans une vidéo présente un petit peu le nouveau trimestre. Et là, il va nous dire quelques mots sur la leçon du jour. Et puis aussi, une autre vidéo de la Fédération France-Sud, Parole en action, et qui va présenter aussi en un ou deux mots, une ou deux pensées sur notre leçon. Donc, nous allons voir ces vidéos et ensuite, on va se retrouver tout de suite. Merci beaucoup. Place à la vidéo. Et donc, c'est sûr que cette origine de la Bible nous montre l'importance du texte. Et c'est vrai que si on veut comprendre un texte qu'on estime important, alors il vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie, un certain nombre, je dirais, d'outils, de façon à pouvoir faire un travail qui soit un travail performant, vu l'importance du texte. La troisième leçon, j'y reviendrai tout à l'heure, elle appartient plutôt au « comment faire ». Donc, dans la leçon 4, là, on va nous parler de l'autorité de la Bible. Et vous vous souvenez que, par exemple, quand les auditeurs de Jésus l'entendaient parler, ils disaient « mais quelle autorité particulière ce personnage a !» Et donc, devant la Bible, s'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a une autorité qui est derrière. Et c'est vrai que si c'est Dieu qui parle, c'est pas n'importe qui. Par respect pour lui, par l'autorité qu'il détient par sa nature même, ce sont des textes très importants. Le texte de ce matin parle de ces pharisiens qui viennent voir Jésus parce que choqués de voir que ses disciples ne suivent pas la tradition. Et Jésus va répondre avec cette question et cette interpellation autour du culte. Ce peuple ne rend pas un culte agréable à Dieu. Et je trouve vraiment intéressant, et peut-être c'est dans vos partages de ce matin, vous allez pouvoir réfléchir à tout cela. Qu'est-ce qui est un vrai culte rendu à Dieu? Est-ce que c'est une bonne prédication du pasteur qui va bien nous nourrir spirituellement?
Et cette nourriture, elle peut varier de l'une ou l'autre des personnes. Il y a parfois des mots-clés qu'il faut mettre dans les prédications pour qu'elle soit une bonne nourriture spirituelle. Ou est-ce que c'est la bonne musique? Or, le texte nous invite à prendre conscience qu'un culte rendu à Dieu, ce n'est pas le samedi matin, ce n'est pas seulement ce samedi matin, mais c'est les relations horizontales que nous allons avoir les uns avec les autres. Nous ne pouvons rendre un culte qui fait honneur à Dieu sans prendre en considération celui qui est à côté de moi, sans prendre en considération cet autre qui est différent, qui ne vit pas les choses comme moi. Et le Christ nous appelle à un culte qui soit plus dans le relationnel que dans la forme. Alors, peut-être qu'on a à réfléchir sur cette notion de culte qui rende gloire à Dieu et qui nous permettra aussi, nous, eh bien, d'être ses disciples qui le suivent, comme ces disciples-là, qui n'ont pas eu peur du regard de l'autre, qui n'ont pas eu peur de se mettre, en tout cas de ne pas se mettre en scène pour pouvoir être vrais avec leur Dieu. C'est peut-être ce que je vous souhaite aujourd'hui, ce matin, de pouvoir découvrir au travers de ce texte-là. Dans le partage de Bernard Sauvagna, on parle de l'autorité dans la Bible. Alors, j'aimerais vous entendre, peut-être Gabriel et ensuite Nicolas, que veut dire ce terme « autorité » ? Parce que dans le fond, on entend souvent ce mot « autorité » dans la parole, où il est dit que l'autorité du Christ n'était pas comme celle des pharisiens, et pourtant, ils avaient une profonde connaissance de la Bible. Alors, que signifie ce mot « autorité » ? Alors, le mot « autorité » est en lien avec le mot « auteur ». Souvent, on l'oublie, hein, parce que c'est vrai qu'on a une idée de l'autorité comme parfois étant de l'ordre de la domination, d'imposer quelque chose. Et c'est vrai que le mot évoque aussi la notion de pouvoir. D'ailleurs, dans la Bible, le mot « exousia » en grec est traduit par « pouvoir ». Mais je crois que l'autorité, c'est finalement la légitimité qu'on a à essayer d'être crédible envers ses auditeurs ou les personnes avec qui on est en lien. Voilà, ce qui est intéressant, c'est j'ai revu la trentaine et quelques, je crois, de textes qui évoquent la notion d'autorité. Non, je crois que je dis une bêtise en disant 30, ça doit être plus que ça, mais je regardais dans ma concordance en préparant cette école du sabbat l'ensemble des mentions de l'autorité. Et sauf erreur, la majorité, presque l'exclusivité des fois où le mot est utilisé dans la Bible, c'est en lien avec des personnes, et notamment Jésus, hein, bien sûr, qui puise aussi son autorité du Père, et Jésus qui confie cette autorité aussi aux disciples. Après, on parle aussi de l'autorité des pouvoirs politiques, hein, des autorités civiles, si on peut dire, et puis des autorités célestes opposées à celles de Dieu, bien sûr. Voilà, mais la notion d'autorité, c'est finalement, me semble-t-il, pour synthétiser, la capacité à assumer sa propre vision et à avoir de l'influence. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait juste peut-être dire aussi cohérence, ou qu'est-ce que tu penses, Gabriel ? La cohérence entre ce qui serait dit et ce qui serait vécu, par exemple. Voilà, exactement. Alors, probablement, c'est un facteur qui va légitimer une forme d'autorité. Quelqu'un D'accord. qui parle avec autorité, si je dis quelque chose et puis je ne suis pas en cohérence, je n'agis pas en phase avec ce que je dis, mais mon autorité est sapée, si l'on peut dire. Donc, il est clair que probablement que l'autorité de Jésus, elle a existé, elle était légitime, elle était reconnue, parce que justement, non seulement il se dégageait quelque chose de sa personne, mais que ce quelque chose était complètement en phase avec ce qu'il disait. Et quand à la fin du discours sur le sermon sur la montagne, notamment, hein, le texte dit, il avait de l'autorité, non comme les scribes et les pharisiens, etc. C'est précisément parce qu'il était reconnu pour la cohérence entre ses paroles et ses actes. Le mot reconnaissance. Nicolas ? Alors, le terme autorité, des fois, est un peu négatif. On a peur d'une autorité. Et je pense que dans la Bible, qui est en fait Dieu et l'essence même de cette autorité, ce n'est pas lié à un pouvoir ou une alignation, mais plutôt à une puissance d'amour qui est créatrice, qui est rédemptrice et qui cherche un contact avec ses créatures. Voilà un petit peu ce qui est pour moi l'autorité de Dieu.
dans la Bible. Merci beaucoup. Alors, dans le partage, oui. Oui, j'allais dire que ce qui est intéressant, c'est que la leçon de cette semaine parle de l'autorité, enfin de l'ensemble du trimestre d'ailleurs, mais de l'autorité de la Bible et en l'occurrence de l'autorité de la Bible comme autorité pour notre théologie. Et je crois que c'est complètement légitime et important et on va longuement en discuter de l'autorité de la Bible en tant que telle. Mais il n'est pas inutile de se rappeler que l'autorité telle qu'elle est présentée dans la Bible, ce n'est pas concernant les Écritures ou l'Écriture et l'Écriture existante dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Eh bien, comme Nicolas le disait, l'autorité de Dieu qui a été transmise à Jésus, que Jésus lui-même transmet aux disciples. C'est dans ce sens-là que le retour au mot auteur qu'il y a dans l'étymologie du mot autorité est important, dans le sens où l'autorité, c'est quelqu'un qui assume l'auteur de sa propre, enfin, d'être l'auteur de sa propre vie et facilite les autres à devenir auteurs de leur propre vie en fonction des valeurs qui sont partagées. C'est intéressant parce que, Gabriel, tu parles de transmission. Et en fait, j'ai vu qu'une définition de la transmission, c'est justement la tradition. Donc, on va y revenir par rapport à cette réalité, mais on est déjà en plein dans le sujet. Alors, dans le partage du frère Rydlewski sur la vidéo de la Fédération France-Sud, la réflexion est que le culte est plus dans le relationnel que dans la forme. Et là, on peut évoquer ce point-là, du fait qu'on parle de la tradition. Alors, je vais peut-être de nouveau me demander à Gabriel d'intervenir, et puis la prochaine fois, je proposerai à Nicolas. Mais parce que Gabriel, j'avais suivi une fois une formation avec toi sur le culte. Alors, c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Donc, est-ce qu'on peut faire une réflexion que le culte est plus dans le relationnel que dans la forme? Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Alors, complètement d'accord. Ça ne veut pas dire que les formes ne sont pas utiles, nécessaires, belles et pertinentes. Hein. Mais d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on peut se poser la question du fait qu'actuellement, on vit nos cultes sans aller à l'église. Est-ce que ce sont de véritables cultes? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question, ou en tout cas les leaders se disent… Ou chacun, chaque membre d'église, mais comment on va faire? On n'a plus l'occasion d'aller au culte, à l'église, ça nous manque. Et c'est une question ou une réflexion légitime. Mais moi, j'ai envie de retourner la question en disant, mais finalement, ce n'est pas à nous que ça devrait manquer, le culte. Ça devrait manquer à Dieu, parce qu'on va au culte pour adorer Dieu. Donc, quelque part, c'est Dieu le plus… Alors, c'est une forme d'anthropomorphisme hein, et de poser sur Dieu des sentiments qui se discutent. Et je ne sais rien de ce que Dieu pense, je suis qui pour savoir. Mais en tout cas, ça permet de mettre en évidence qu'effectivement, le culte existe pour d'abord la relation que nous, croyants, qui nous rassemblons, nous tournons vers Dieu et comment nous développons cette relation envers Dieu, qui au passage n'est qu'un renvoi, c'est-à-dire qu'un retour de la relation première qui est de Dieu vers les humains. Dieu nous offre sa grâce, son amour, et en accusant réception de cela, on retourne à Dieu. Donc, c'est éminemment relationnel, ça c'est évident. Merci. Nicolas, par exemple, est-ce que la tradition, mais on sait, la tradition, on va y revenir, c'est la transmission, donc on peut avoir une très bonne tradition, mais est-ce qu'une certaine tradition, une certaine habitude des choses peut-elle nous éloigner de la véritable adoration? Alors, moi, je pense que oui, parce que ça dépend des motivations qui viennent derrière. Si on met Dieu à la première place, ces bonnes traditions vont s'inclure dans la vie de l'Église. Maintenant, si ces traditions, comme les pharisiens le faisaient, vont suppléer à Christ, à Dieu, alors là, on aura des problèmes. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, vous allez voir bientôt à l'écran un PowerPoint où je dois dire, j'ai beaucoup aimé cette citation de Blaise Pascal. Blaise Pascal nous dit « L'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit. » Alors, j'espère que chacune et chacun d'entre nous, ce matin, on a quand même le cœur droit pour avancer et puis pour comprendre ce que représente cette interprétation de la Bible. Il y a maintenant que j'aimerais partager avec vous aussi par le PowerPoint, 5 éléments qui ont été présentés par Luca Marulli à Collonges-sous-Salève, un collègue de Gabriel Monet. Et Luca Marulli nous partage 5 éléments
par rapport à l'interprétation des Écritures, par rapport à la tradition, en parlant que dans notre compréhension de la Bible, dans notre recherche, dans l'herméneutique pour la transmission, la compréhension de la parole, eh bien, il faut tenir compte de notre identité sexuelle, de notre culture. Et je sais que Gabriel aura pas mal de choses à nous dire en termes de culture, tradition, et la Bible aussi notamment. Il y a notre âge, l'état physique, psychologique, émotionnel. Je travaille dans un EMS, on a maintenant des structures bio-psycho-spirituelles, donc ça c'est aussi un point important. Il y a aussi le statut socio-économique et les traditions théologiques et spirituelles. J'aimerais peut-être revenir quelques instants, et te laisser la parole Gabriel, sur le mot culture, cultura en latin qui signifie cultiver. Alors, la Bible a vu le jour au sein d'une certaine culture spécifique, parce que la culture a été affectée aussi par le péché, mais il me semble que dans les écrits de l'apôtre Paul et d'autres textes, on ne peut faire l'économie de la culture. Alors, qu'en est-il de nos églises? J'ai quelquefois un peu l'impression, sans être rabat-joie, qu'on évite quelquefois soigneusement ce terme, parce qu'on a peur de dire, voilà, il y a quelque chose de culturel, donc est-ce que vraiment c'est en opposition avec la Bible? C'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à opposer la culture et la Bible, ou la foi, ou Christ et la culture. Je crois que les choses sont bien plus complexes que ça, comme tu le disais, Dominique. La Bible s'est forgée dans, même pas un contexte culturel, mais dans des contextes culturels, puisqu'elle a été écrite pendant une période de 1500 ans qui a duré très longtemps, et entre la culture juive de l'époque de l'exil, enfin à Babylone, ou la culture juive préalable de l'époque des juges, ou celle des rois, ou encore plus tard la culture gréco-romaine du Nouveau Testament, ce sont des cultures complètement différentes. Et donc, dans ce sens-là, il est essentiel et important d'avoir conscience que les épisodes qui sont narrés dans la Bible, les personnes qui écrivent, qui ont composé, bien sûr inspirées avec le même Dieu qui est le même en tout temps, mais elles l'ont fait avec leur histoire, leur contexte culturel et leur background, si on peut dire. Et ça, c'est important lorsqu'on étudie la Bible, d'avoir conscience de ce décalage culturel qu'il y a entre la culture hellénistique d'un Paul qui écrit ses épîtres et notre culture contemporaine aujourd'hui, occidentale, pour nous qui sommes européens, a priori, ou d'ailleurs hein, bien sûr. Mais donc, il y a ce nécessaire décodage, si on peut dire, pour comprendre que on doit prendre en compte la culture pour bien comprendre les textes. Et maintenant, il ne s'agit pas non plus d'avoir une vision négative de la culture. Je pense que Dieu a vocation à être présent dans les cultures. Ça ne veut pas dire que dans la culture, tout est accepté, voulu, béni et désiré par Dieu. Il faut savoir faire le tri, mais en soi, la culture, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et il faut faire le tri. On a l'impression, en tout cas, que l'apôtre Paul était sensible à cette qualité. Très clairement, à de nombreuses reprises, Paul s'adapte à ce fameux texte, hein, « Je me suis fait tout à tous, juifs avec les juifs, grecs avec les grecs, etc. etc. » quand, par exemple, dans son discours de Acte 17, il s'adresse aux Athéniens, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va citer des sages et des philosophes grecs pour être en phase avec son auditoire, ce qu'il n'aurait pas fait dans une synagogue quand il prêchait le samedi lors de ses voyages itinérants, où son approche est complètement différente. Donc, on voit bien que lui-même, ce n'est pas que sa pensée, sa théologie, ses convictions changent, mais il adapte la manière de les présenter, de les argumenter en fonction de la culture dans laquelle il baigne ou à qui il s'adresse. Alors, Nicolas, moi, je sais que tu es un homme de culture, puisque tu as voyagé un peu presque dans tout le monde entier avec différents ministères. Tu as un mot à dire sur cet aspect important au niveau culturel pour trouver le bon équilibre, comme Gabriel nous l'a dit? Alors, je pense qu'il faut trouver un équilibre, justement, parce qu'autrement, c'est vrai que la culture peut faire peur. D'introduire cette culture dans l'Église, comme Gabriel l'a dit, il y a du bon et du mauvais, mais il faut pouvoir le trier. Autrement, on risque de dévier du chemin. Et c'est là où ça crée problème dans nos églises. Quand on parle de culture, d'intégration de culture dans nos églises,
ben, y a des fois des couacs et ça crée des complications, ça crée des tensions. Alors moi, j'ai été intéressé. Oui, oui, Gabriel. Peut-être je peux prendre un exemple assez contemporain et je sais assez sensible. Mais je, sans du tout prendre position, mais juste pour montrer les défis qu'il nous faut traiter. Je ne suis pas sûr exactement de quel était le type de musique qu'il y avait, soit à l'époque du Temple dans l'Ancien Testament, ou encore à l'époque de Jésus au 1er siècle. Mais par exemple, je connais, j'apprécie la musique classique de l'époque de Jean-Sébastien Bach ou des Handel qui sont magnifiques. Et donc là, il y a clairement une culture musicale de cette époque-là qui correspond aussi au moment où les églises ont utilisé beaucoup Bach et Handel notamment. Qu'on a encore gardé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle est légitime? Voilà, certains vont dire, mais voilà, la seule bonne musique dans l'Église aujourd'hui, c'est la musique de Bach, Handel, etc. Sauf que ce n'est pas si évident que ça, parce que avant Bach et Handel, il y avait une autre culture musicale. Oui. Et puis dans notre effort missionnaire, si on peut dire, qui peut, je pense, être critiquable, en particulier au 19e siècle, où avec l'essor des moyens de communication, il y a eu de grands projets missionnaires. Et les églises occidentales ont été évangélisées des territoires du Sud, si on peut dire, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a imposé une culture d'église dans d'autres contextes culturels. Et alors, aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir un regard critique sur le fait que nos arrière-grands-parents qui ont évangélisé certains pays d'Afrique ont imposé aux Africains qui étaient là de n'écouter comme musique que Jean-Sébastien Bach, aussi beau que soit Jean-Sébastien Bach. Et on comprend bien là le défi et la nécessité d'inculturer l'Évangile. L'Évangile, il est quelque part obligatoirement mêlé à une ou plusieurs cultures, mais il ne doit pas se mélanger avec les cultures, d'où le nécessaire travail de décortication du texte biblique pour essayer de faire sortir les valeurs supraculturelles de justement les valeurs de Dieu, quoi. Merci beaucoup. Alors, j'étais intéressé de voir que le mot « tradition » en latin, « traditio », signifie « l'acte de transmettre ». Donc, ça m'a beaucoup intéressé parce que souvent, des fois, on se dit « tiens, la tradition, ça peut être quelque chose de plutôt négatif ». Non, c'est la transmission. Alors après, on peut transmettre des bonnes choses. On va y revenir dans le récit biblique. Transmettre des bonnes choses venant de Dieu, venant du Christ, ou alors une transmission plutôt d'autres pensées qui sont des fois un peu plus compliquées. Alors, la tradition dans l'Église n'est pas ce qui est légaliste, je dirais, ou anti-biblique, mais il s'agit de l'enseignement reçu. Alors, j'aimerais vous poser la question, rien de négatif dans la tradition au départ, non? Nicolas? Au départ, non, mais par la suite, peut-être. Hein, il est clair qu'une tradition, comme j'ai dit avant, qui remplace les principes bibliques, comme on va en parler plus tard, le principe du lavement et des ablutions était devenu plus important que tout simplement le côté amour, fraternité, et il regardait à l'extérieur, il ne regardait pas du tout à l'intérieur du cœur. Hein? Gabriel? Oui, je rejoins cette idée-là. Dans ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs, hein, la tradition ou les traditions en soi n'ont rien de forcément négatif. En fait, ça dépend de ce qu'on fait des traditions, d'une part, et surtout si elles restent focalisées sur les objectifs qu'elles avaient vocation à légitimer et à faire perdurer. C'est-à-dire qu'on a des traditions. Si ces traditions-là nous permettent d'atteindre leur intention, alors elles sont bonnes. Si on a oublié l'intention que cette tradition était censée soutenir, mémoriser, faire perdurer, alors elle devient divergente et donc mauvaise. Alors, j'aimerais donner un exemple dans une relation entre deux individus. Si la tradition commune des points communs, à un moment donné, même si les points communs sont importants dans la relation qu'on a l'un avec l'autre, dans la tradition commune de ces points, deviennent plus importants que la relation, alors est-ce que ce n'est pas là que ça va poser un problème? Oui, tout à fait. Je pense que ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que la tradition, enfin, ou une habitude ou une tradition en soi,
elle peut être dangereuse si elle perd son objectif. Et c'est vrai que, par exemple, certaines traditions juives que Jésus critique, elles n'étaient plus légitimes parce que finalement, pour les pharisiens, alors là, dans le texte qu'on va aborder tout à l'heure, c'est une question de se laver les mains, mais on peut évoquer d'autres traditions comme celle de ne pas marcher plus de telle distance, de ne pas cuisiner, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et du coup, ça devient une fin en soi. Ah, voilà. Le samedi, je ne marche pas plus de tant de mètres. Alors, pourquoi est-ce que cette tradition-là, elle a été mise en place, créée à un moment donné ? Pour faire en sorte que, précisément, on puisse se focaliser le jour du sabbat sur la relation, dont on parlait tout à l'heure, la relation à Dieu, et aussi, au passage, ce n'est pas contradictoire avec la relation avec ses frères et sœurs et une relation avec soi-même, hein, aimer Dieu, son prochain, comme soi-même. Et dans un sens, toutes nos petites habitudes et nos traditions sabbatiques, elles n'ont de légitimité que si elles contribuent à mieux nous permettre d'aimer Dieu. Je prends un exemple, nous, adventistes, on est assez attachés, je crois, en tout cas historiquement, à l'heure du sabbat. Dans nos bulletins d'église, il y a souvent l'heure du début de sabbat. Les couchers de soleil. Et ça peut devenir une fin en soi. Ah, voilà, mais j'ai respecté l'heure du sabbat. Très bien, mais pourquoi respecter l'heure du sabbat? Si c'est juste un embêtement, une obligation à se presser et que finalement, il n'y a pas d'objectif derrière, alors que si, au contraire, c'est je me prépare et à ce moment charnière où tout d'un coup, je peux me poser, me focaliser sur Dieu, profiter de ma famille ou de moi-même ou de lui ou quoi que ce soit, et que je vis positivement cela, alors j'atteins l'objectif. Alors que si c'est juste une pression chronophage, alors cette tradition, elle n'est pas bonne, on peut le dire, quoi. Alors, merci d'avoir évoqué cela. On a cette magnifique, je trouve, très courte, mais en même temps magnifique pensée de Jean Vanier, fondateur de l'Arche, c'est une association que la plupart on connaît, c'est une association à des personnes à handicap, et il nous dit, mais il est décédé il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on s'autorise à rencontrer l'autre, on trouve des trésors. J'ai l'impression qu'à travers cette phrase, il a tout dit par rapport à vos différentes interventions. Moi, vous allez découvrir sur le PowerPoint trois textes ici qu'on va vous lire assez rapidement parce que le temps avance. Mais dans 1 Corinthiens 11, verset 2, il est dit « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. » J'ai presque l'impression ici qu'il y a un pléonasme puisqu'on parle de tradition, puis après on parle de transmission, alors que la tradition, c'est la transmission. Mais voilà, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6, il est dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. » Et dans Colossiens 2, verset 8, « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines et sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Et puis enfin, Galates 1, verset 9, « Je te l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Alors, j'aimerais poser une question, Gabriel et Nicolas. Ici, on voit que la tradition, ce n'est pas mauvais, mais qu'on peut avoir aussi une mauvaise tradition, on peut avoir une bonne et une mauvaise transmission. J'ai l'impression que c'est ces textes qui nous l'indiquent. S'il s'agit de l'idée de la transmission, est-elle bonne, est-elle mauvaise? Est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est vrai qu'en lisant ces textes, cela paraît contradictoire avec le texte qu'on verra plus tard de Marc 7, où Jésus semble condamner la tradition, alors que là, Paul semble soutenir la tradition et surtout sa tradition. Oui. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut reprendre le mot tradition qui peut-être être un petit peu pipé en français, mais comme tu le disais, Dominique, le mot original grec peut parler de tradition, mais aussi d'instruction notamment. Ce mot tradition vient d'un verbe qui est paradidomie, qui veut dire mettre dans les mains, c'est-à-dire mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc Paul, il a transmis un certain nombre de choses, il a transmis sa conviction, sa foi, des enseignements, et alors bien sûr son désir, c'est qu'il n'y ait pas de divergence par rapport à ce qu'il a pu transmettre. Et dans ce sens-là, bien, cette tradition, cet enseignement-là, il est positif, il est bon parce qu'il reste centré sur les croyances fondamentales. Merci. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces textes quand même très profonds?
Oui, alors, mais je vois dans Colossiens 2, au verset 8, il est dit des traditions humaines. Et là, on se rend compte qu'il y a un conflit dans l'église de Colosse entre des traditions humaines qui vont s'intégrer dans l'étude de la parole et qui vont perturber les Colossiens, les gens de Colosse. Et là, à ce moment-là, l'apôtre Paul dit « Attention !» il faut absolument que vous vous centriez sur les vraies valeurs, qui sont des valeurs christocentriques, et non plus un mélange d'humains qui supplante en fait les valeurs bibliques. Merci d'avoir rappelé l'église de Colosse, parce que l'apôtre Paul, il a quand même dû se battre avec pas mal d'églises dans l'idée de ce que tu dis, Nicolas, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Et on voit même dans Galates, je veux dire, c'est le même principe. Hein. Ils sont arrivés, ils ont accepté l'évangile avec enthousiasme, et tout d'un coup, il y a un conflit entre à qui j'appartiens. Est-ce que j'appartiens aux lois du calendrier païen, ou est-ce que j'appartiens aux lois juives ? Je suis entre deux. Je suis ni juif, ni... Qu'est-ce qui se passe ? Et tout d'un coup, il y a des troubles faits qui arrivent et qui vont de nouveau mettre des philosophies à l'intérieur de la parole, de la Bible, au-dessus de la Bible, et qui vont tout simplement biaiser en fait leur croyance. Et c'est là de nouveau Paul qui revient et dit attention, que cette personne qui vous trompe soit maudite. Hein, c'est assez impressionnant et c'est assez fort. Hein. Si je peux me permettre, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai qu'en lisant, en méditant ces textes-là, et en pensant à l'apôtre Paul, on imagine un caractère entier, une foi profonde et magnifique, ouais. Pour qui Paul, c'est tellement important de la communiquer qu'il a à cœur que les églises qu'il a fondées, les personnes qu'il a fait venir à la foi, eh bien, elles soient respectueuses de cet évangile initial, si on peut dire. Et j'apprécie énormément l'apôtre Paul. Néanmoins, je me permets... évoquer un petit risque, et ce n'est pas une critique de Paul, parce que Paul reste Paul et qui atteint sa cheville, pas moi en tout cas. Mais malgré tout, il y a le risque qui nous guette aujourd'hui en tout cas, et qui à mon avis pouvait peut-être risquer Paul aussi, hein, c'est que justement il fasse que les gens s'attachent à ses enseignements à lui. Alors il était tellement convaincu que ses enseignements venaient de Dieu, c'est pour ça qu'il peut dire... respectez, souvenez-vous les traditions que je vous ai transmises. Ne pas dévailler de l'enseignement ou de la tradition que nous vous avons transmis, hein, dans 1 Corinthiens 11 et 2 Thessaloniciens 3. Mais je crois malgré tout qu'il y a le danger de risquer de pointer vers les hommes. Et d'ailleurs, à un autre moment, Paul le dira, les uns sont d'accord avec tel missionnaire, avec tel autre, mais au final, c'est bien vers Dieu et vers Jésus-Christ qu'il faut pointer. Et les seules traditions, les seuls enseignements, les seules instructions, les seules transmissions légitimes sont celles qui viennent du Christ. Et Paul se croyait tellement en adhésion avec le Christ, rempli de l'Esprit du Christ, ouais, qu'il pouvait dire ça. Mais il y a malgré tout le petit risque que nous aussi aujourd'hui, on soit d'accord avec tel ou tel leader de l'Église, tel ou tel pasteur, mais on ne doit pas faire pointer vers nous, mais bien vers le Seigneur. Et si je peux me permettre de dire que de l'Église adventiste a beaucoup de qualités, mais on doit être respectueux aussi de différentes communautés chrétiennes qui ont aussi reçu cette transmission. Alors maintenant, j'aimerais qu'on partage ensemble sur le PowerPoint ce texte, vous l'avez dit tout à l'heure, de Marc 7, verset 1 et suivant. Alors, au verset 1 et suivant, il est dit « Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. » Verset 5, « Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Verset 6, « Hypocrites, leur répondit-il, donc Jésus est très puissant,
Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » C'est fort quand même, et c'est là qu'on voit, ça revient un petit peu dans la leçon précédente où Jésus était très centré sur « Il est écrit », on voit que Jésus a une connaissance aussi des différents textes extraordinaires. Mais j'ai une question que j'aimerais vous poser, mais pourquoi Jésus fait référence à ce texte d'Ésaïe 29:13 en pointant le doigt quand même sur l'attitude des pharisiens? Je crois qu'il fait référence à ce texte-là. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois au moins deux choses. La première, c'est que ce passage d'Ésaïe, le prophète de la part de Dieu reproche au peuple d'Israël de n'être que focalisé sur la formalité des choses, sur justement les habitudes, en ayant perdu de vue les intentions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des habitudes, des pratiques, y compris cultuelles, hein, ou rituelles, ou autres, en ayant perdu de vue pourquoi on le fait. Et donc, quand Dieu, par le prophète Ésaïe, dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est loin de moi », ça correspond tout à fait à l'état d'esprit des pharisiens. Donc Jésus prend ce texte pour légitimer cette critique-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser, c'est le deuxième point, tout l'Ancien Testament aurait été rejeté par Jésus, puisque un certain nombre de ses prescriptions, de ses traditions viennent de l'Ancien Testament. Mais Jésus cite l'Ancien Testament pour critiquer certaines pratiques qui sont soi-disant justifiées par l'Ancien Testament. Ce qui permet à Jésus, finalement, de montrer que, de tout temps, pour Dieu, ce n'est pas les habitudes qui comptent, mais ce qu'on va obtenir par des attitudes. Et si je peux peut-être me permettre de prolonger un tout petit peu, finalement, il y a cette question de se laver les mains. Alors, finalement, les pharisiens avaient fait du principe de se laver les mains une fin en soi. Parce que je me suis lavé les mains, j'ai les mains pures, si on peut dire. Oui. Et alors, dans notre contexte actuel, on voit très bien que c'est absolument efficace et vrai. On est bien d'accord. Et dans ce sens-là, il paraît légitime de se laver les mains. Maintenant, imaginez-vous que, je ne sais pas, vous êtes à la plage, vous êtes à la montagne. Le but, c'est d'avoir une hygiène aussi bonne que possible, mais peut-être que parfois, on sera dans des circonstances où on ne pourra pas se laver les mains, et qu'importe. L'essentiel, c'est qu'on atteigne l'objectif. Je prends un autre exemple par rapport à l'alimentation, par exemple. On sait que dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de prescriptions sur l'alimentation. Il ne faut pas manger de ceci, pas manger de cela. On connaît en général assez bien toute la liste. Et puis, on se dit, un porc aux lentilles, par exemple, a priori, enfin, ce n'est pas a priori, ce n'est pas recommandé, voilà, ce n'est pas dans les directives vétérotestamentaires. Et donc, je peux tout à fait manger 1 kilo de bonbons, 200 grammes de chocolat et une bouteille de Coca-Cola, puisque la Bible n'en parle pas, ce n'est pas interdit. Donc, ce n'est pas une tradition qu'on peut condamner. Sauf que justement, en fait, on peut parfois respecter à la lettre la tradition de ne pas manger ceci ou cela, mais de faire encore pire, parce qu'on aurait oublié le fait que si Jésus donne des recommandations de se laver les mains, de ne pas manger n'importe quoi, c'est pour avoir une bonne hygiène, c'est pour avoir une bonne santé. Et quelque part, le plus important, au-delà des actes en eux-mêmes, c'est l'objectif qu'on va atteindre, qui est de respecter ce corps, qui est création de Dieu et magnifique à ce titre-là. Alors, je fais un peu d'humour, Nicolas, et puis tu l'as brièvement évoqué, Gabriel. En cette période de Covid-19, est-ce que les pharisiens ne sont pas mieux armés que nous? Dans à savoir, en tout cas, tout à fait. Hein, ils se lavaient les mains avant de prendre le repas. Il y avait des ablutions particulières et on voit qu'actuellement, il est tout à fait nécessaire de faire ce genre de choses si on veut éviter d'être malade. Et ce sont des propositions de l'Office de la Santé et autres. Hein, oui, tout à fait. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Moi, je trouve ça quand même assez génial de la part de Dieu qu'il ait donné toutes ces recommandations-là. Parce qu'à l'époque, on pouvait se demander pourquoi. Vous savez, je n'ai plus en tête le détail ou le nom de ce gynécologue des Pays de l'Est, je crois, qui a imposé à ses sages-femmes dans son hôpital à commencer à se laver les mains. Et tout d'un coup, le taux de mortalité de ces femmes qui venaient enfanter a,
énormément baissé. On est au 17 ou 18e siècle, je crois. Des millénaires avant, Dieu avait dit aux gens, lavez-vous les mains, mangez sainement. Ouais. Et les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi il ne fallait pas manger ceci, cela. Pourquoi est-ce qu'il fallait se laver les mains? C'était peut-être juste une corvée qui paraissait comme ça. Mais Dieu avait une préscience, de la science tout court, mais il a transmis des valeurs et des habitudes qui atteignaient un objectif qui était tout à fait légitime. Et ce qui, je crois, ne peut que nous encourager à faire confiance à Dieu, même si parfois on ne comprend pas forcément le tout, le pourquoi de l'attention qui est partagée par ces différentes traditions. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais partager encore ces quelques textes par le PowerPoint. On va bien sûr, on n'aura pas le temps de les analyser, mais simplement pour faire une petite synthèse qui me semble être importante. Dans Marc 6, 39 à 44, on a le miracle des pains où il reste 12 paniers. Le chiffre 12, il est bien présent dans le symbole. Ensuite, on a Marc 6, 45 à 56, c'est situation importante vers l'autre côté du lac où Jésus marche sur les eaux. Marc 7, 1 et suivant, c'est ce texte que nous venons de lire. Et il y a Marc 7 aussi, très intéressant, versets 24 à 37, où on a la foi d'une non-juive. Et on parle de Tyr et Sidon et même de la décapole. Et puis Marc 8, 1 à 21, deuxième miracle des pains, il reste 7 corbeilles. C'est un pays, encore une fois, non-juif. Alors, quel enseignement pour ces différents textes, Nicolas? J'ai l'impression qu'il y a une sacrée ouverture, là. On n'est pas les seuls à avoir tout compris, non? Ah, tout à fait, alors. Hein. Et ce qui est impressionnant, en fait, dans ces textes, c'est que y a une intervention de la part de Dieu pour la multiplication des pains et autres. Il va de l'autre côté du lac, la même chose. Hein. Quand on voit cette non-juive à Sidon, et qui est une femme païenne, qui apprend qu'il arrive, elle va se précipiter vers lui. C'est vrai que le texte est un peu dur, un peu rude. On a l'impression qu'il maltraite cette femme, et sa foi est tellement grande qu'elle dit oui, mais même les chiens mangent les miettes des enfants. Et à ce moment-là, Christ se rend compte que sa foi est importante, et il va tout simplement dire « Retourne à la maison, ta fille est guérie. » Et c'est, pour moi, c'est très impressionnant parce que ce côté de dépendance, d'humilité, de confiance, de foi en la personne du Christ, alors que c'était une non-juive, c'était une païenne, que les juifs ne parlaient pas, qu'on évitait, qu'on faisait un détour pour aller de l'autre côté, très impressionné. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui des églises émergentes, mais je pense, Gabriel, tu es d'accord avec l'intervention de Nicolas, il y a quand même un message très clair de la part de Dieu, à quelque part, pour dire il faut avoir ce respect, il faut avoir cette ouverture pour ces différentes catégories de personnes qui peuvent avoir une foi aussi extraordinaire avec Dieu. Et je dirais même que dans cette période de Covid-19, Dieu, il est là, il est présent avec chacune et chacun d'entre nous. Oui, complètement. Dieu est là. Parfois, il se réjouit avec nous, parfois, il pleure avec nous. Souvent, il nous précède, là où on ne l'attend pas. Cet enchaînement-là, dans le milieu du corps de l'évangile de Marc, est vraiment assez fabuleux. Quand on voit cette évolution, presque, c'est à son corps défendant que Jésus est obligé d'aller plus vite que la musique, tellement il a une soif d'écouter et de s'approprier les valeurs de l'évangile. Et c'est vrai que parfois, Jésus, il est critique des religieux juifs de son temps, mais il est aussi critique de ses propres disciples. Ce qui est très, très intéressant si on analyse le texte, là, donc on a Marc 7. Mais donc à la fin du chapitre de Marc 7, Jésus va guérir un sourd muet. Puis ensuite, il y a la deuxième multiplication des pains, comme tu l'as dit. Et puis ensuite, il va, à la fin, là, guérir, au verset 22 du chapitre 8, guérir un aveugle. Donc, il y a deux miracles, celui du sourd-muet et celui de l'aveugle, au milieu duquel il y a le récit de la deuxième multiplication des pains, avec cet enjeu, cette question du pain. Or, dans la discussion après le petit dialogue avec les pharisiens, Jésus fait le bilan avec ses disciples, peut-on dire, hein, et puis ils avaient oublié de prendre du pain avec eux dans le bateau.
Et Jésus leur fait cette petite recommandation, ce reproche. Enfin, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est une recommandation, mais que les disciples prennent comme un reproche. Ils croient que Jésus est en train de leur reprocher d'avoir oublié d'être prévoyant et d'avoir pris le repas du soir, donc du pain. Et le texte de Marc précise, clin d'œil incroyable, il n'en avait qu'un seul dans la barque. Donc, un pain pour 13, Jésus et les 12, c'est effectivement peu. Mais je crois qu'il y a un clin d'œil là de l'évangéliste qui dit que ben, le pain, est-ce que c'est vraiment un pain physique qu'ils allaient se partager ou est-ce que c'est le pain, le seul pain de vie, Jésus-Christ, qui est là au milieu de la barque. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ce dialogue-là, Jésus dit à ses disciples qui justement n'ont pas compris après la multiplication des pains que finalement Jésus pouvait beaucoup plus que ça et que ses traditions, ses habitudes, ses prévoyances en comptant que sur l'humain ne sont pas si importantes que ça si on compte sur Dieu, eh bien il leur dit « Mais avez-vous des yeux et ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas ?» C'est dans Marc 8, 18. Et donc juste avant, il a guéri un sourd muet. Et juste après, il guérit un aveugle. C'est-à-dire que les guérisons physiques de ces deux hommes, qui d'ailleurs prend à part, loin de la foule, par la main, et comme on a l'impression, si on analyse ces miracles qui sont un peu difficiles à venir, ça devient le signe physique de la guérison spirituelle de nos yeux qui ont du mal à voir juste, de nos oreilles qui ont du mal à entendre juste. Alors justement, je rebondis pour... de ce que tu dis par rapport au pain, parce que je pense que c'est un point aussi extrêmement important. On va le faire un peu plus rapidement, parce que vraiment le temps a bien avancé. Mais il y a dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, verset 38 et suivant, la multiplication des pains. Marc 6, 52, on parle de l'intelligence aveuglée des disciples au sujet des pains. Marc 7, 2 à 5, manger du pain avec des mains non lavées. Tous ces textes, vous les voyez au PowerPoint. Marc 7, 27 à 28, les miettes de pain sous la table, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure. Marc 8, 4 à 10, multiplication des pains, les 4000. Et Marc 8, versets 16 à 24, c'est le rappel des multiplications des pains. Donc, on n'a pas le temps forcément de refaire toute une analyse sur le sens du pain, mais j'ai vu un commentaire. Selon la pensée hébraïque, le pain, c'est l'idée de la compréhension. Et ça, j'ai trouvé intéressant, c'est juste. Pain égale compréhension, discernement. Oui, alors, c'est vrai que c'est la bonne compréhension, mais sous-entendu de la parole. Hein. Il y a aussi une association entre le pain et la parole. Les pains dans le sanctuaire céleste, notamment, évoquent justement ce partage de la parole. D'ailleurs, on dit dans nos églises, parfois, dans le culte, nous allons maintenant partager le pain de vie, lorsque l'on parle de la prédication. Et donc ça, c'est important, et ça nous permet de revenir finalement à ce débat qui existe entre la parole, d'une part, et ce qu'on a étudié dans la leçon de cette semaine, c'est-à-dire la tradition, la culture, l'expérience et la raison dont on n'a pas ou on ne va peut-être pas avoir le temps de parler, mais c'est vrai que le risque, c'est de voir une opposition formelle entre la Bible d'un côté et les traditions, la culture, l'expérience, la raison de l'autre. Les choses sont bien plus complexes que ça. D'une certaine manière, on ne peut avoir une bonne compréhension de la seule source, la seule autorité de notre théologie et de notre foi qu'est la Bible, si on comprend justement et de la bonne manière l'intelligence et la pertinence des traditions, si on comprend que la Bible a été donnée dans une culture donnée et qu'il faut l'adapter à la culture d'aujourd'hui, si on a une juste vision de l'expérience, parce qu'en fait la Bible elle est remplie de l'expérience spirituelle d'hommes et de femmes qui ont rencontré leur Dieu, et nous-mêmes, nous sommes invités à faire l'expérience de Dieu, mais pas juste l'expérience en mettant de côté la Bible. Il faut toujours utiliser la Bible pour évaluer la pertinence de nos expériences. Et de la même manière, pour la raison, la rationalité, l'intelligence, eh bien, elle peut être humaine et que humaine. Et à ce moment-là, elle est déviante. Mais si elle est intelligente, si notre intelligence elle est remplie de l'Esprit de Dieu, alors elle va nous amener à une meilleure compréhension de la Bible et une meilleure centration sur les intentions de Dieu qui sont transmises par ces paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite les auditeurs à la maison de lire spécialement le texte de Matthieu 11, versets 20 à 24, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps de l'aborder maintenant, mais c'est un texte d'ouverture aussi extrêmement intéressant. Au PowerPoint, vous voyez cette très belle citation d'Ellen White, « Counsel to parents, teachers and students regarding Christian educations ». Excusez-moi pour ma prononciation, page 323.
Les disciples de Christ doivent être séparés du monde par leurs principes et par leurs intérêts, mais ils ne doivent pas s'isoler du monde. Quel équilibre extraordinaire! Ce Sauveur se mêlait constamment aux hommes, non pas pour les encourager dans tout ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, mais pour les élever et les ennoblir. Alors, une de mes dernières remarques que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on dit en général que les catholiques et les orthodoxes sont basés un peu plus sur la tradition, les charismatiques et pentecôtistes un peu plus sur l'expérience, la théologie libérale plus peut-être sur la raison humaine. Mais alors, qu'en est-il de l'Église adventiste? Est-ce qu'on prend un peu de tout pour retrouver le bon équilibre? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que l'objectif, c'est finalement de trouver l'équilibre avec une Bible au centre et une forme de tension entre nos traditions, les traditions qui peuvent exister, qu'on a héritées, qu'on va sans arrêt remettre en question pour être centré sur les objectifs. De la même manière, par rapport à l'expérience, le but, c'est que la lecture de la parole soit pas juste des connaissances qu'on a et puis qui changent rien, et que ça nous fasse expérimenter dans nos relations, dans notre manière d'être, dans nos choix de vie, etc. Mais en même temps, ces expériences spirituelles et humaines, il s'agit malgré tout toujours de les confronter aux valeurs bibliques. Et de la même manière, la raison humaine, elle est très belle. C'est Dieu qui nous a donné la capacité de bien réfléchir, d'être intelligent. La définition que je préfère, je crois, de la théologie, c'est la recherche croyante de l'intelligence de la foi. Donc, je dis bien recherche croyante. Si on oublie ça, me semble-t-il, on fait sûrement de la théologie, comme certains en font aujourd'hui, mais si on n'a pas ce présupposé de la foi, alors je pense, pour ma part, qu'il manque l'essentiel. Mais à l'inverse, il ne s'agit pas de rester dans ce qu'on a traditionnellement appelé la foi du charbonnier, où je prends comme ça les éléments sans plus réfléchir que ça. Dieu m'a doté d'un cerveau, d'une intelligence, je suis amené à utiliser cette raison-là pour autant que possible comprendre et expliquer le pourquoi de ce que je vis et la beauté de la grâce. Merci infiniment, Gabriel. J'aimerais juste, en terminant, t'entendre, Nicolas, sur cette belle citation d'Ellen White dans le livre Medical Ministry, page 99. Les traditions conservatrices transmises par des hommes cultivés par les écrits d'hommes de renom du passé ne sont pas toutes des guides sûrs pour nous qui vivons dans les derniers jours, car le grand conflit devant nous est tel que le monde ne l'a encore jamais vu. Les frères qui n'ont pas pris part à l'œuvre dans le passé doivent avancer avec bien plus grande prudence sur les sujets qu'ils acceptent et ceux qu'ils refusent. Ils ont besoin de creuser beaucoup plus profondément que leurs connaissances spirituelles limitées, leurs habitudes ou encore leur opinion actuelle ne les pousseraient à le faire. Un commentaire? J'abonde dans l'idée de Gabriel, c'est que si la Bible est au centre de nos vies, alors à ce moment-là, nous allons nous reposer, nous allons demander à Dieu la sagesse pour qu'il intervienne dans nos vies et qu'on puisse intervenir non seulement dans nos activités d'évangélisation, de prédication, d'intervention pour des gens qui sont en difficulté. Et c'est uniquement par ce moyen-là que nous pourrons avancer. Alors, on avait aussi une question, quand même, on a reçu une question de ce texte de 2 Corinthiens 10, verset 6, où on parle d'une obéissance complète. L'obéissance complète. Est-ce que, Gabriel, c'est possible d'avoir une obéissance vraiment complète? Certainement. La question, c'est obéir à qui plutôt qu'à quoi, je crois. Pour avoir une connaissance, on parlait juste là, et je fais le lien entre les deux, de connaissance. C'est intéressant que le mot connaissance, c'est vrai qu'on l'associe dans notre mentalité contemporaine à un savoir. Et c'est vrai que dans la notion de connaissance, il y a cette notion de savoir, de raisonnement, d'acquisition, etc. Mais c'est une expérience. L'étymologie, c'est naître avec. Et donc, c'est éminemment relationnel. Et donc, obéir, ce n'est pas simplement être un robot et puis j'obéis aux ordres, mais c'est accepter, et on en revient peut-être, on boucle la boucle, à cette notion de l'autorité, où Jésus me donne l'autorité, il a l'autorité, mais il me la transmet cette autorité pour que je sois l'auteur de mes propres choix, de ma propre vie, qui soit en conformité avec ce que la connaissance, c'est-à-dire ma connaissance, mon vivre avec Dieu, me permet d'être pleinement dans ces valeurs de l'Évangile.
Merci. Alors, juste un mot, parce que là, maintenant, on doit vraiment couper, mais juste un mot, cher Gabriel, cher Nicolas, qui pourrait résumer notre leçon, si vous avez envie de partager juste une phrase. C'est laquelle? Alors, pour moi, c'est la Bible au centre de nos vies. La Bible au centre de nos vies. Merci beaucoup. Oui, ben voilà, mais je crois que la semaine prochaine, on parlera de la sola scriptura, la Bible seule, mais qui ne va jamais sans le Christ seul, la grâce seule, enfin, tous les solas que l'on connaît, qu'on a hérité du protestantisme. Elle nous invite finalement à avoir la Bible au centre. Et au centre de la Bible, il y a Jésus-Christ. Et dans le cœur de Jésus-Christ, il y a, c'est vrai, finalement, tout un programme de vie qui est là pour notre bonheur. Alors, chers auditeurs, vous avez entendu dans le mot de conclusion, nous avons la Bible au centre, Christ au centre. Continuons à étudier la parole et rendez-vous bien la semaine prochaine avec ce thème Sola Scriptura avec d'autres intervenants. Merci infiniment à Gabriel, à Nicolas et à Rickson aussi pour cette étude. Et que Dieu vous bénisse et surtout bon culte maintenant. Merci. Bon sabbat. Bon sabbat.